Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te bénir, éternel Dieu Tout-Puissant, et te célébrer pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci Seigneur d'étendre ta main de grâce dans nos vies. Merci Seigneur de manifester ta gloire dans tous les détails, tous les aspects de nos vies. Nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, nous venons t'exprimer toute notre reconnaissance. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place, éternel notre Dieu. Nous te glorifions, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta fidélité. Seigneur, merci de nous conduire dans ce programme de prière. Nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence, éternel et Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Quel honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, maman Victoriana, maman Janine, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur et notre Dieu. Nous lui rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons. Notre prière de ce soir, vous voyez, j'ai un souci avec la connexion, bien-aimés. Le cadre est tout à fait autre. Donc, depuis que j'ai commencé à essayer de me connecter depuis minuit, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc, veuillez nous pardonner. Eh bien, donc, mais la prière de ce soir, bien dans l'océan, nous allons essayer de prier le plus succinctement possible. Parce que ce soir, bien dans l'océan, nous prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu nous remplit de son Esprit Saint tel qu'il est écrit dans sa parole. La Bible nous dit clairement, bien dans le Seigneur, que ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, ce soir, nous allons, bien aimé, prier que le Saint-Esprit nous aide. Éphésiens 5, le verset 18. Éphésiens 5, le verset 18. Il est dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin, bien-aimés, de la révélation du Saint-Esprit. Nous avons besoin, bien-aimés, de la direction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'ouverture du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la force du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta direction dans ce programme de prière. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour la direction du Saint-Esprit. L'Esprit de grâce et de faveur, nous te bénissons. Toi, l'Esprit d'amour et de paix, cher Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Saint-Esprit, de bénir ce programme de prière. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de grâce, l'Esprit de faveur, l'Esprit de louange, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de gloire, l'Esprit de paix. Cher Saint-Esprit, nous te voulons de tout cœur. Merci de nous combler de toi. Merci de nous remplir de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci, cher Saint-Esprit, viens inonder nos vies, viens combler nos vies de ta présence au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous diriger dans ce programme de prière. Nous te voulons de tout cœur. Toi, l'Esprit des révélations, toi, l'Esprit des grâces et des faveurs. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans ce programme de prière. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore, nous allons demander, bienvenue, que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous donne la capacité. Bonsoir, maman Maria. Bonsoir, maman Marika. Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir, vous tous qui vous êtes connectés. Voyez donc, ce soir, ici, c'est
Bonsoir, maman Espérance, maman Victoriana, maman Blandine, maman Janine, bonsoir, bonsoir. Voilà, vous qui êtes là, bienvenue dans la séance, soyez bénis. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de la direction du Saint-Esprit. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, de la capacité du Saint-Esprit. Que pouvons-nous faire, bienvenue dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit? Qu'allons-nous faire, bienvenue dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'esprit de grâce, c'est l'esprit des faveurs, c'est l'esprit de louange, c'est l'esprit d'adoration, bien-aimé, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ce soir, bien-aimé, nous sommes là pour demander au Saint-Esprit de nous fortifier, au Saint-Esprit de nous remplir, au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées, au Saint-Esprit de nous combler de la vie de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimé, du Saint-Esprit. Au fait, le Saint-Esprit, bien-aimé, ce n'est pas seulement le fait de parler en langue. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous donne la capacité de pouvoir prier, la capacité d'adorer Dieu tel que Dieu le veut, la capacité, bien-aimé, d'aimer. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer. La Bible dit, aimez vos ennemis. Comment vous pouvez aimer quelqu'un qui vous hait? Comment vous pouvez aimer quelqu'un, bien-aimé, qui cherche à tout prix à vous détruire, à vous tuer? C'est impossible. Comment vous pouvez aimer quelqu'un, bien-aimé, qui vous a trahi, qui vous a poignardé dans le dos? C'est impossible. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. La Bible dit clairement, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'autre option si ce n'est d'aimer nos ennemis. Et cela, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Voilà, bien-aimé, pourquoi ce soir, je voudrais que nous puissions passer ces petits moments de prière, mais vraiment en demandant que le Saint-Esprit nous aide. Ah. Nous avons besoin vraiment, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à louer Dieu, à adorer Dieu, à prier Dieu. Eh bien, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Donc, nous allons élever nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons être continuellement, soyez remplis. Donc, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit, continuellement. Nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Continuellement, bien-aimés, dans le Seigneur. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, inonde ma vie. Saint-Esprit, comble ma vie. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Bien-aimé, nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit tous les jours dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Où est, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit? À quoi il nous aide? Ce n'est pas seulement, bien-aimé, à parler la langue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, non. Nous devons, bien-aimé, prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Ah, pourquoi, bien-aimé? Il en parfois, nous offensons le Saint-Esprit. Parfois, bien-aimé, dans le Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit. Non. En fait, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une personne. Nous devons rechercher cette relation avec lui. Nous devons rechercher à être en communion avec lui. Le problème, c'est que nous prenons le Saint-Esprit comme une certaine force. Non, c'est une personne. C'est la personne qui nous a été, bien-aimé, léguée par le Père et par le Fils. Le Saint-Esprit nous a été, bien-aimé, légué par le Père et par le Fils. On dit, voilà, nous voulons, le Père a envoyé le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous allons prier. Ce soir pour dire, Saint-Esprit, si j'étais offensé dans ma manière de vivre avec toi, j'étais négligé, eh bien, nous, y compris moi-même, nous allons, bien-aimé, implorer la miséricorde de Dieu. Demander pardon, Seigneur. Lui demander pardon, Saint-Esprit, pardonne-moi. Je t'ai offensé. J'ai négligé. Je n'ai pas. J'étais négligé. J'étais mis de côté. Pardonne-moi, je te plais, Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons d'abord prier pour demander, implorer la miséricorde, les pardons, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit nous pardonne. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. Merci, Saint-Esprit, toi, l'esprit des grâces et des faveurs. L'esprit de pardon, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Saint-Esprit, pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Pardonne-nous, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi.
Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Pardonne-nous, s'il te plaît, Saint-Esprit. Chaque fois, nous t'avons mis de côté. Chaque fois, nous t'avons négligé. Saint-Esprit, pardonne-nous. S'il te plaît, Saint-Esprit, nous t'avons offensé dans notre manière de vivre avec toi. Nous t'avons mis de côté. Nous t'avons négligé. Nous t'avons oublié. Saint-Esprit, nous t'avons méprisé. Nous te demandons pardon, cher Saint-Esprit. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi le premier au nom de Jésus. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit, pardonne-nous. Et moi, le premier, je te demande pardon de t'avoir négligé, de t'avoir méprisé, de t'avoir à un moment mis de côté. Je te demande pardon, cher Saint-Esprit, pardonne-moi. Toi, l'Esprit de vérité, toi, l'Esprit de grâce, toi, l'Esprit de louange, toi, l'Esprit de miséricorde. Saint-Esprit, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, cher Saint-Esprit. Chaque fois, je t'ai négligé. Chaque fois, je t'ai mis de côté. Chaque fois, je ne t'ai pas écouté. Je te demande pardon, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci, toi, l'Esprit de victoire. Merci, toi, l'Esprit de grâce. Merci, toi, l'Esprit de paix. Merci, toi, l'Esprit de louange, d'adoration. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous t'adorons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Nous te magnifions, cher Saint-Esprit. Merci pour la vie de Dieu, Zoé. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. L'esprit de victoire, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, l'esprit de grâce. L'esprit de paix. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revêtent au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander, n'est-ce pas, bien-aimé, que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia, que le Saint-Esprit vienne inonder nos vies. Comment est-ce que nous pouvons louer, adorer Dieu sans le Saint-Esprit? Nous allons demander, bien-aimé, que le Saint-Esprit inonde nos vies. Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde la vie de mon frère, inonde nos vies. Alléluia. Élevons nos voix. Prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Excusez-moi. Élevons nos voix, prions ce tendre Père. Nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons pour ton Esprit Saint. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de la vie de Dieu. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de la vie de Dieu. Au nom puissant de Jésus, viens inonder nos vies, cher Saint-Esprit. Viens combler nos vies, cher Saint-Esprit. Viens guider nos vies, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, ô l'Esprit de vérité. Merci, Saint-Esprit, de nous combler. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir de ta présence. Au nom puissant de Jésus, inonde nos vies, inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit, merci. Merci d'inonder nos cœurs, de combler nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Nous te magnifions, toi qui es assis sous les trônes de gloire. Merci, Saint-Esprit, de combler nos vies, de remplir nos vies. Nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons maintenant prier que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs, n'est-ce pas, bien-aimés, de l'amour de Dieu et le cœur de pardon. Qu'il nous donne le cœur de pardon, qu'il remplisse nos cœurs, n'est-ce pas, de l'amour de la Bible. L'Esprit, n'est-ce pas, répand l'amour du Père dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans aimer, parce que Dieu est amour. Mais c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour du Père dans nos cœurs. Bien-aimés, nous allons prier pour le Saint-Esprit. Répand l'amour de Dieu dans mon cœur. Saint-Esprit, donne-moi un cœur de pardon. Élevons nos voix, bien-aimés, prions le Seigneur, même prions pour l'Église. Bien-aimés, que l'Église soit une Église, bien-aimés, qui agit, n'est-ce pas, bien-aimés, sous la direction du Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre, oh merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, toi, l'Esprit de victoire, l'Esprit de grâce et de faveur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, cher Saint-Esprit. Merci d'inonder nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au robot Yandava. Oh, Rubouya Karabayo, oh, Shikawa, oh, Rubouya Karabayo, oh. Oh, merci, cher Saint-Esprit, remplis nos vies, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, toi l'Esprit de vérité, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir de toi, au nom puissant de Jésus. Nous te voulons de tout cœur, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce et de faveur. Nous t'élévons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, l'Esprit de vérité. Reviennent à toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas? Alléluia. L'Esprit de notre bien-aimé dans le Seigneur qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne d'adorer Dieu. Nous allons bien aimer pour l'esprit d'adoration, l'esprit de louange. Saint-Esprit, remplis-moi de cet esprit, de l'atmosphère d'adoration, l'atmosphère de louange. Saint-Esprit, remplis-moi de louange d'adoration. Alléluia. Élevons-nous, bien aimer. Prions, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous remplisse, bien dans le Seigneur, de l'adoration, de la louange. Saint-Esprit, c'est toi l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Remplis-moi de la louange, remplis-moi de l'adoration. Saint-Esprit, aide-moi à adorer le Père, à adorer le Fils, à t'adorer comme il le faut, nous puissants de Jésus. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence, cher Saint-Esprit. Viens m'aider, l'Esprit de grâce et de faveur. Viens inonder ma vie. Viens combler ma vie de ta présence. Saint-Esprit, inonde ma vie. Saint-Esprit, comble ma vie de ta présence. Au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, l'Esprit de, alléluia, de bonté, de majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur de mettre à moi la louange et l'adoration. Donne-moi de te louer, même dans des moments difficiles. Saint-Esprit, que je puisse toujours continuer à t'adorer, même dans l'adversité. Que nous puissions toujours continuer à t'adorer, même dans l'adversité. Que nous puissions toujours continuer à t'adorer dans les moments difficiles. Que nous puissions toujours continuer à t'adorer. Au nom puissant de Jésus, donne-nous de t'adorer. Donne-nous de t'adorer. Donne-nous de te louer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, de nous donner, de te louer, de t'adorer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons bien-aimés prier que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées, l'esprit de révélation. Que le Saint-Esprit nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de révélation, nous révèle les choses cachées. Saint-Esprit, rends-moi sensible, révèle-moi les choses cachées à propos de ma propre vie, à propos de ma famille, à propos de ma destinée. Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, bien-aimés, pour la révélation des choses cachées. Oh, l'esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, révèle-toi à moi, révèle-moi les choses cachées à travers de ta parole, révèle-moi les choses cachées à travers de toute ma vie. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la révélation. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. L'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de ta révélation. Au nom puissant de Jésus, merci, cher Saint-Esprit, de te révéler à moi. J'ai besoin de toi. Révèle-toi, mon frère, révèle-toi, ma soeur, révèle-toi, ton peuple. Saint-Esprit, c'est toi qui connais les choses cachées. Révèle-toi, s'il te plaît. Cher Saint-Esprit, révèle-toi, s'il te plaît. Cher Saint-Esprit, révèle-toi, s'il te plaît. Cher Saint-Esprit, révèle-toi, s'il te plaît. Révèle-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi, cher Saint-Esprit. Révèle-toi. Révèle-toi, mon frère. Révèle-toi, ma sœur. Nous avons besoin de ta révélation. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux sages. Nous avons besoin de ta révélation, nous puissants de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, dans ce temps de la fin, bienvenue dans le Seigneur, où les esprits des prophètes, n'est-ce pas, les faux docteurs sont en train de pulluler les réseaux sociaux et dans pratiquement tout ça. Dans le milieu, n'est-ce pas, bien-aimé, des croyants,
Et nous allons prier pour l'esprit de discernement. Ces temps de la fin, nous avons besoin du discernement. Ô Saint-Esprit, nous allons dire, Saint-Esprit, donne-nous le discernement des esprits. Donne-nous l'esprit de discernement. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas, Père, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous prions que le Saint-Esprit se révèle à nous. Saint-Esprit, donne-nous l'esprit de discernement. Saint-Esprit, accorde-nous le discernement des esprits. Saint-Esprit, rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi sensible d'être sensible au discernement des esprits. Donne-moi d'avoir des discernements. Au nom puissant de Jésus, quel que soit Rokoboya Karabai. Oro Yandaba, Oro Yakarabayo, Oro Yakarabayandaba. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, grand élevé. Ouvre les écluses des cieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre nos tendres pères, les écluses des cieux, au nom puissant de Jésus. Oro Yandaba. Oro Yakarabayo, Oro Shikababa. Oro Boyandaba, Rakabayo, Oro Boshikababa. Oro Boyandaba, Rakabayo, Oro Boshikababa. Oro Boyandaba, Yakaraba. Oro Boyakarabayandaba. Merci Saint-Esprit pour l'esprit de discernement. Le discernement des esprits. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, pour le discernement des esprits, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, non seulement le discernement des esprits, bien-aimés, le Saint-Esprit nous donne, bien-aimés, n'est-ce pas, le courage, la capacité, n'est-ce pas, de témoigner, la capacité de témoigner, la capacité, bien-aimés dans le Seigneur, de confesser, bien-aimés dans le Seigneur, la parole tout autour de nous. Prions, bien-aimés, que le Seigneur nous donne la capacité, n'est-ce pas, le courage, la force de témoigner de Jésus, de louer Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, prions, Monsieur Tendre Père. Merci, cher Saint-Esprit. Donne-moi le pouvoir, la capacité de pouvoir témoigner de Jésus partout, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Donne-moi de témoigner de la grandeur, de la puissance et de l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. L'esprit de grâce et de faveur. L'esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, donne-nous la capacité de louer Dieu, la capacité d'aimer Dieu, la capacité de témoigner tout autour de moi. Donne-moi de témoigner de la grandeur de Dieu. Donne-moi de témoigner de Jésus dans toutes les circonstances. Que je puisse témoigner Jésus. Que je puisse témoigner Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que je puisse témoigner Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que je puisse témoigner Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur le trône éternel, reviennent à toi qui es assis sur le trône de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu grand et redoutable au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te glorifions. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta faveur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix maintenant. Tu as dit, Seigneur, donne-moi de connaître Jésus. Alléluia. Comme il le faut. Donne-moi d'avoir une véritable relation. Que Jésus soit réel dans ma vie. Et tu vas prendre pas que Jésus soit une réalité dans ta vie. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, donne-moi de faire de Jésus une réalité dans ma vie. Que Jésus soit réel. Dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix de nous. Prions, n'est-ce pas, que Jésus soit une réalité, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos familles, tout autour du Saint-Esprit. Merci. Merci, Saint-Esprit, de remplir, de me remplir de la présence de Jésus. Que Jésus soit une réalité dans ma vie. Que Jésus soit une réalité dans ma famille. Merci, Saint-Esprit, de m'aider. Merci, Saint-Esprit, de me soutenir. Au nom puissant de Jésus. Fais du Saint-Esprit. Fais de Jésus une réalité dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Et dans le Seigneur, Saint-Esprit, nous allons prier pour le pouvoir de la résurrection. L'Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de résurrection. C'est l'Esprit de vie. Mais nous allons prier, bien-aimé, que tout ce qui était mort, n'est-ce pas, bien-aimé, en nous,
spirituellement, matériellement, financièrement, par la vérité, que tout ce qui était mort reçoive la vie de Dieu, Zoé, au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bien-aimés, proclamons le pouvoir de la résurrection, n'est-ce pas, dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets. Proclamons la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Élevons-nous, n'est-ce pas, prions ce tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire dans nos vies et dans nos familles. Nous proclamons la puissance et le pouvoir de la résurrection au nom puissant de Jésus. Nous en appelons à la vie de Dieu, Zoé. Nous en appelons à la vie de Dieu, Zoé. Nous proclamons le pouvoir et la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, lève-toi, Maître du ciel et de la terre. Oroboyandaba, Oroboyakaraba, Rondobokarabayokoroboshikababa. Tu es le Dieu vainqueur, tu es le Dieu grand et redoutable, tu es le puissant de Golgotha, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, tendre Père, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus, j'en appelle à la vie, j'en appelle à la vie, que la mort soit anéantie, que la mort soit anéantie, que la mort soit engloutie par la vie, la mort sur le plan physique, la mort sur le plan matériel, la mort sur le plan financier, la mort sur le plan spirituel, que la mort soit anéantie, que la mort soit détruite dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans l'Église. Nous nous levons contre la puissance de la mort, que la puissance de la mort soit neutralisée, soit brisée. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre la puissance de la mort. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que la mort soit brisée, que la mort soit neutralisée, que la mort soit paralysée. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, nous te proclamons roi au nom de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, éternel Dieu grand et redoutable. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de délivrance. Nous allons bien-aimé prier, n'est-ce pas, pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia, ramène, n'est-ce pas, une atmosphère de délivrance dans nos vies, dans nos familles. Que le Saint-Esprit souffle, bien-aimé dans le Seigneur, un vent de libération, un vent de délivrance au nom puissant de Jésus, un vent de résurrection. Allez, bon, on va venir, mais prions, n'est-ce pas, bien, pour la délivrance et la résurrection dans nos familles. Tendre Père, merci. Merci pour la puissance de la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection. Nous en appelons à la délivrance. Délivre, mon cher Saint-Esprit. Délivre, mon frère. Délivre, ma sœur. C'est toi qui libères de toute forme de prison au nom puissant de Jésus. Merci de libérer des prisons. Saint-Esprit, libère-nous de toute forme de prison au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour la libération de la prison. Merci, Saint-Esprit, de nous libérer de toute forme de prison au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous libérer de toute forme de prison. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la vie. Merci pour la délivrance. Merci, Saint-Esprit, de nous libérer de la prison au nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire. Merci, Saint-Esprit, pour la vie de Dieu Zoé. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de toi. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce, l'esprit de faveur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous te célébrons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous te magnifions. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, pour la délivrance. Merci, Saint-Esprit, pour l'exaucement.
Merci Saint-Esprit pour ta protection dans nos vies, dans nos familles. Merci Saint-Esprit, alléluia, pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la louange. Merci Saint-Esprit pour alléluia, ta grâce et ta faveur dans nos vies, dans nos familles, nos puissants Jésus. Saint-Esprit, merci pour tout. Alléluia. Merci de nous combler de toi, au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, nous allons bien-aimé prier pour Maman Fifi, n'est-ce pas? Nous allons demander, bien-aimé, que le Seigneur se souvienne de Maman Fifi, touche Maman Fifi dans sa santé. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons la puissance de la résurrection dans le corps de Maman Fifi, la puissance de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la guérison. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous transportons Maman Fifi dans ta présence, tendre Père. Nous proclamons la puissance et le pouvoir de la guérison dans le corps de Maman Fifi, la puissance et le pouvoir de la délivrance, la puissance et le pouvoir de la résurrection. Au nom puissant de Jésus, nous en appelons à la vie. Tout ce qui était mort spirituellement reçoive la vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous en appelons à la vie. Maître du ciel et de la terre, nous en appelons à la vie de Dieu. Oh, Roboyandava. Oh, Roboyandava. Oh, Seigneur, merci. Merci de venir encore ce temps. Remercions et aimons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ce temps de prière. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir conduits dans ce programme de prière. L'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, merci de nous avoir conduits au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ta présence. Saint-Esprit, merci de nous combler de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revient au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimés, bénissons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, glorifions le Saint-Esprit, magnifions le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous te louons, Saint-Esprit. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous te magnifions, Saint-Esprit. Merci de nous combler de ta présence, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration. Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, de nous ouvrir l'intelligence, de nous rendre sensibles à ta présence, de nous rendre sensibles à ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, de nous conduire, de te révéler à nous. Merci, cher Saint-Esprit, de nous ouvrir l'intelligence, de nous donner le discernement des esprits, de nous révéler les choses cachées. Merci, Saint-Esprit, de nous donner la capacité de résister. Alléluia, face à l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Merci de nous combler, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, de tout cœur, merci. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, très bientôt, soyez bénis. Merci beaucoup. Que les dieux, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. Reposez-vous bien, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Donc, on est là demain pour l'étude biblique et puis, bien sûr, pour notre veillée de vendredi. Je vous aime beaucoup. Merci. À bientôt.